bien, voilà, merci chers téléspectateurs de notre chaîne de nous faire confiance une fois de plus en ces dates de ce jour où nous décidons comme ça de voir honorer une icône, un papa, un parent, un grand-parent, feu ingénieur Mazambi Masula Isumbisho Jean-Baptiste, qui est donc décédé il y a un peu plus d'une année. C'était exactement le 8 juillet 2020, ici à Bukavu. Là, vous nous retrouvez à son domicile, le domicile familial des papas ingénieurs Mazambi, où nous retrouvons donc en famille, afin de voir réfléchir, échanger, reconstituer un peu le parcours de ce grand homme qui a servi la nation, qui a servi le pays, qui a servi notre ville de Bukavu, qui a servi ses origines et qui nous a donc quitté il y a de cela une année. Et nous nous sommes décidés de devoir chercher à l'immortaliser à travers ce travail, à travers ce produit que nous vous proposons. Avec à ma droite, Maman Bahati Lutonde. Ah voilà, Maman Bahati Lutonde qui est donc l'épouse, ou du moins... Désormais, elle a changé de statut, elle est devenue la veuve de feu papa ingénieur Mazambi. Maman Bahati, bonjour. Bonjour. Ah, je vous vois détendu et de bonne humeur. Un peu bien. Ah, mais à mon extrême gauche, j'ai également docteur Issou Mazambi, qui est donc avec nous aussi, à qui je vais dire bonjour, docteur Issou. Bonjour Justin. Ah, un regard sur la caméra aussi, quelque part. On est ici, le décor est planté pour devoir reconstituer un peu le parcours de papa. Oui, c'est un plaisir pour nous de pouvoir commémorer cet anniversaire d'une année de la mort de notre père, qui était pour nous un père exemplaire et vraiment une icône, comme vous avez bien souligné. Nous sommes également avec, comment il faut les appeler, des petits anges, des oisillons, à qui je vais dire bonjour les enfants. Bonjour. Non, là je ne vous suis pas. Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que vous êtes contents de passer à la télévision? Oui. Ah, merci. Ok, les enfants sont là, ça c'est la généalogie, la descendance de papa Mazambi. C'est vrai, il a eu des enfants, mais de ses enfants sont nés également d'autres enfants. Et c'est donc un plaisir pour nous de nous retrouver entourés ici par les enfants des enfants de papa Mazambi. Voilà, on va... côté de maman. Maman, papa ingénieur Mazambi, parlez-nous de son enfance. Il vient de quel coin de ce pays? Il est né où? Brièvement comme ça, le territoire, pourquoi? Dans une ville? Est-il né dans le fin fond de la forêt équatoriale? Il est venu d'où ce papa-là? C'est merveilleux papa. C'est merveilleux papa, est venu dans le territoire de Mwenga, du village de Kakanda, on appelle ça chez les Banengue. Dans le territoire de Bashimwenda, hein? Et de là où il a fait l'école primaire, maintenant il a fait l'école de 4e et 5e et 6e à Kamituga, et puis il est venu ici à Bukavu, il a fait sa première année à l'ITFEM jusqu'à 4e, et de là il est reparti à Kinshasa, jusqu'à aller à Kitona pour commencer le service militaire. Et de là, il est parti à... Après ça, il est parti en Europe. Il est allé étudier à l'école des jambes. Et de là, il a terminé. Et puis, il est venu... Donc, de retour d'Europe, il est affecté comme ça à Kananga, qui est une ville célèbre, hein, connue pour la qualité de l'académie militaire qu'il y a de ce côté-là. Et lui avait exactement quelles attributions par rapport à cela? Il travaille, il était... envoyé pour travailler à Kananga, comme directeur de SMT, nous appelait dans l'armée, c'est un titre qu'on donnait à quelqu'un qui s'occupait des problèmes des officiers. C'est quelqu'un qui s'occupait des logements, hein, pour faire loger les officiers. Et puis il avait un pelletot, il conduisait un pelletot de peintres, hein, de menuisiers,
des maçons, hein, tout ce qui pouvait faire les travaux pour la construction, quoi. Un officier génie militaire, c'est un technicien à part entière qui met son intelligence au service de la réalisation de certains ouvrages en faveur des militaires, c'est ça? Oui, exactement. Comme maman l'a bien souligné, donc, le papa il a fait ce qu'on appelle le génie civil. Donc, il était donc ingénieur en génie. Et aussi, c'est parmi les rares personnes qui ont été formées en Europe. La même école où le roi, l'actuel roi a étudié. C'est là que papa étudie. Silence les enfants. Et aussi même le feu président du Burundi. C'est parmi ses collègues avec qui ils ont étudié la même école en Belgique. Maman, donc, après le parcours de Kananga, où il avait entre autres pour mission, pour attribution, de s'occuper du logement de militaires, de vos officiers, la suite c'est comment? Il a été rappelé à Kinshasa pour travailler à la présidence. Ah. Ah. Donc il est affecté à Kinshasa et il travaille à la présidence sous le président Mobutu. Oh, oui. Mm. Et c'est là où il travaillait, il s'occupait aussi des mêmes fonctions qu'il faisait à Kananga aussi. Et de là aussi... Il construisait, puisque c'est lui qui a construit les... Ils ont construit avec leur directeur, leur bureau, quoi. Les messes des officiers de Kinshasa, qui se trouvent en bas de vers Kitambo. Vers Chani Metal, à côté là. Donc au niveau du... Hein, donc quand on est à Kinshasa aujourd'hui et que vous rencontrez le mess des officiers... vers Chani Metal, et à la touche de l'ingénieur Papa Mazambi Masula Jean-Baptiste. Écoutez, jusqu'à un moment, ça semble tourner mal, et on parle comme ça d'une tentative de coup d'État dans laquelle il serait impliqué. Mmh. Il serait impliqué dans le coup des terroristes. Des terroristes, c'était en 1978. Alors après, il a été condamné à mort. Après la condamnation, bon, les a remerciés pour les a retraités. Il était retraité pour rentrer dans la vie civile. Et c'est de là, il est même resté là à Kinshasa. Mais après, il y avait une offre d'emploi à la Somiki. Papa a réussi et puis il a été un certain temps à Somiki, à Kinshasa. Après les travaux, et puis on lui a dit non, on va le garder, il va aller maintenant travailler à Kalima. Et c'est de là où il était engagé pour travailler jusqu'à 1980. Jusqu'à 1984. Le vieux est tout de même condamné pour tentative de coup d'État, mais du coup, pourquoi il n'est pas exécuté un peu après il est relâché? Je dirais que peut-être c'est une grâce divine, hein, d'autant plus que le coup d'État, comme on l'a bien souligné, ils ont été impliqués de cela, d'autant plus qu'ils venaient de l'Europe tous. Il y a eu un groupe de généraux, des lieutenants, notamment lui, qui venaient franchement de l'Europe, et apparemment, ils n'ont pas été bien reçus par les autres collègues qui étaient sur le terrain. Parce que la majorité, tous ont été admis à travers la présidence, à travers... Donc, ils ont occupé des hautes fonctions. Et ce qui fait ça, crée une jalousie en eux. Et ainsi, donc, il y a au moins 33 personnes qui étaient vraiment condamnées à mort. Et exécutées? Et on a exécuté au moins, je pense, 13 parmi ces gens-là. Sauf deux qui sont restés deux. Notamment le papa et un autre qui est maintenant à Goma, il s'appelle Ndaka, là. Qui est à Goma, ce sont les deux rescapés. Et donc, comme j'ai dit, c'est une grâce divine. Donc, c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient sauvés. Et je pense que c'était parmi... C'est chance parce qu'il s'appelait le miracle de la nature. Oui, maman Bati, vous vivez comment hein, ce moment de stress quand vous apprenez que... D'un moment à l'autre, papa Mazambi va devoir être exécuté. Vraiment, c'était horrible. Je ne mangeais pas. J'ai fait toute une semaine sans manger. J'ai jeûné, quoi. Et j'ai prié Dieu pour qu'il puisse... J'ai forcé, là. J'ai forcé, oui. Je faisais vraiment... J'avais trop de soucis jusqu'à ce que Dieu nous a fait grâce. Il a été libéré par grâce aussi. Il avait des interrogations déjà. Il avait la femme de notre frère Assoumani qui était gouverneur de Kisangani. Qui a un peu imploré à son grand frère qui était Mobutu. Il y avait aussi le domestique de papa Mobutu qui était notre oncle paternel, papa Kaleba. Et il est encore vivant. Alors il a aussi intervenu vraiment
jusqu'à ce qu'on a dit, bon, on a gracié papa. Il a été condamné à mort jusqu'à l'accoutumant. Et puis il est sorti du prison et puis on est resté ensemble. Ah voilà. Le vieux passe quelque chose comme 4 années à la Soumenki. Et après c'est quoi? C'est une révocation, c'est une mutation, c'est une démission pour qu'il se retrouve à Bukavu. Et comme papa était délégué syndical, il a... Syndicaliste. Hein? Syndicaliste, oui. Alors il y avait un problème. Mais comme lui, il a refusé en tant que syndicaliste, alors on a, la Soumenki a dit non, non, tu dois démissionner. Alors il a démissionné. Oui, je pense que c'est question des droits de revendication, mais plutôt, je dirais un peu plus, c'est plutôt question des valeurs. Ouais. Le papa avait des valeurs. Et pour lui, les valeurs humaines et puis les valeurs sociales primées avant tout. C'est-à-dire, par exemple, je dis question des corruptions, ce n'était pas avec lui. Donc il avait sa rigueur et dans sa rigueur, là, il voyait la droiture. Et je crois que c'était parmi les éléments qui ont fait que la Soumenki a trouvé qu'il n'était pas aussi facile d'agir avec lui. Maman, vous avez parlé d'une famille hein, qui vous est restée trop attachée. C'est la famille de papa Feu Assoumani Boussania. Et en quittant la Soumenki, vous le trouvez à Bukavu. Pendant une partie de votre vie, vous avez vécu dans l'enclos de feu papa Assoumani Boussania du côté de Niaouera, place mobile. C'est ça, c'est là où on était logé, chez Assoumani. On a fait là au moins 3 ans et puis on a construit chez nous et c'est ici où on reste pour le moment. Ah voilà, c'est ici où on reste pour le moment. Une très belle maison, telle que vous avez l'occasion de le voir à travers les images qui passent comme ça en insert. Le déménagement ici, l'occupation a été faite vers les années 88-89. Depuis 88, fin 88-89, nous sommes ici. Ah voilà. Oui. Et après donc le feuilleton Soumenki, le vieux se décide de se relancer autrement, en privé ou en créant des entreprises. Il s'est lancé en privé, comme à l'époque il était parmi les rares ingénieurs architectes ici à Bukavu. Il va ici ouvrir un bureau d'expertise et d'études qu'on va appeler Otas Majengo. Et c'est ce qui l'a vraiment encore propulsé au niveau de la région ici et à Bukavu surtout, où il y a quand même beaucoup d'édifices à son nom ici. Notamment, je peux citer la cathédrale anglicane, c'est l'œuvre de Papa Mazambi. Il y a aussi Sozam. Sozam, c'est vers l'Istem. Voilà, là où actuellement on traite les personnes avec des troubles mentaux et consorts, c'est aussi son œuvre. Il y a aussi des ponts au niveau de Rouzira, vers Calais. Il y a aussi, je pense, une passerelle qui relie, je pense, qu'on appelle ça, Nyamugo avec la route d'Ouvira. Donc il y a beaucoup d'œuvres de Papa Mazambi, même si vous avez la commune de la cellule de Nyanukemba, je crois. C'est aussi l'œuvre de Papa Mazambi. Et aussi, il a fait un grand travail d'identification des maisons de l'État qui sont à Bukavu. Et actuellement, je pense que c'est au niveau du gouvernorat. Toutes les maisons de Bukavu ont été identifiées avec bien les dimensions cadastrales. Tout, il a fait ça, toutes les maisons de Bukavu. Donc c'est pour dire que toutes les maisons qui ont subi tout ce qu'il y a comme actuellement le morcellement là, si on veut retrouver tous les dossiers là, on peut retrouver ça. Nous sommes donc ici en train d'honorer un officier militaire retraité, nous sommes en train d'honorer un ingénieur architecte, nous sommes en train d'honorer un papa, nous sommes également en train d'honorer un grand-parent. Maman Bahati, c'était quel genre d'homme, quel genre d'époux, Papa Mazambi, votre charmant partenaire de près d'un siècle de vie commune, ce qui vous a, dans votre manière, dans sa manière comme ça, d'exercer, de s'acquitter de ses tâches en tant que parent, papa, est-ce qu'il n'y avait pas cette rigueur liée au fait que quelque part il a eu à être militaire un jour? Je peux le dire, oui, c'était vraiment un bon mari pour moi. Mais il était très sévère. Très sévère, mais pas méchant. C'est ce qu'il vivait avec les enfants. Vraiment, c'était. Moi, j'ai perdu un mari, vraiment, mais merci à Dieu comme il a voulu que ça soit ainsi. Mais on était dans la maison, vraiment comme des amis. Comme des amis, vraiment. Alors, ce que je peux seulement dire aussi pour ses caractères, hein, vraiment, mon mari, moi, je suis l'aîné.
Et mon mari aussi était l'aîné. Alors, cet amour de famille, ça, on avait. Dans notre maison ici, on avait beaucoup de gens ont passé par ici chez nous. Et nous avons bien accueilli. Et nous étions vraiment un exemple pour d'autres personnes. Hein. Nous étions un couple là, modèle. Hein, vraiment, on ne se chamaille pas. On était des amis. Et il y avait des noms qui m'appelaient souvent. Ils m'appelaient au moins 7 noms. Des petits sobriquets, entre autres. Oui, oui. Surtout quand ils voulaient me demander un peu de l'acheter la bière. Hein. Alors, ils commençaient à dire, Bati. Il dit, Nyota. Il appelait Lutonde, Virginie. Et puis, Élisée, Jeannette. Et puis, personnellement, il va dire... Tous ces petits prénoms-là, Virginie, Jeannette, ça, c'est des noms d'enfance ou des noms quand maman était encore une jeune fille brillante, là, ou des petits sobriquets collés par le papa? Eh oui, oui, tout ça, c'était collé par le papa. Alors, finalement, il me dit, un dernier mot, il dirait, hello, jusqu'à ce qu'à l'hôpital même, il y avait un certain temps, il faisait comme si il voulait entrer dans les comas. Alors le médecin l'appelait, papa Mazambi. Bon, il n'acceptait pas. Maman Hortense, papa Mazambi a été quel genre de parent? Rigoureux, excès de discipline, tendre, affectionné, attentif à l'avenir de ses enfants par exemple. Il était pour nous un papa plein d'amour. Il était un papa qui était plein de principes. Et ces principes nous a aidé. Et il a, bon, on peut dire qu'il a atteint son objectif de nous voir tous étudier. Parce qu'il disait toujours, d'abord mes enfants. Donc il avait un amour excessif envers ses enfants. Et donc il les manifestait toujours partout et en toutes circonstances. Il nous disait toujours, le plus beau cadeau que Dieu lui a donné, c'était nous, ses enfants. Et que le plus beau cadeau qu'il pourra nous donner aussi, nous offrir, c'était l'éducation et l'instruction. Et il l'a fait. Okay. Parce que nous tous, nous avons étudié dans de bonnes écoles. On a fini. Nous voilà aussi dans la vie maritale. Nous sommes là, nous tenons bon. C'est parce qu'il a été à la hauteur de sa tâche. Merci. Ah, que des mots profonds. Est-ce qu'on peut applaudir les enfants pour papa Ingénieur Mazambi? Que des compliments, que des mots pleins de sens, pleins d'amour, pleins de reconnaissance aussi. Oui, Docteur Issou, ça a été quel genre de papa, le vieux Mazambi? Un militaire dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, où il lui arrivait quand même en tant que parent de renoncer à certains de ses principes et de se dire, bon, je tolère ça, je fais même peu l'œil de ce côté-là. Il était complet. C'est-à-dire, il était un parent qui était très proche de ses enfants. Il était un blagueur. Il était quand même rigoureux aussi. Il était un enseignant. C'était un éducateur. Donc, il était tout en complet, je peux dire. Voilà, donc, s'il faut être rigoureux, il était rigoureux vers nous. Et c'est comment, ce petit trait de son caractère, qui, quand on a moins de 15 ans, on estime que c'est trop gênant pour un parent. Ah, babana, bifoulani. Mais que, après 40 ans, vous estimez que c'était vraiment important qu'il imprime auprès de vous. Oui, je pense qu'on a compris vraiment. Parce qu'il nous a donné certaines valeurs qui étaient vraiment élémentaires. Juste un exemple très simple. Nous, on a passé nos vacances au fin fond de Bourrega, là-bas. On devait aller passer 3 mois là-bas, au fin fond de Bourrega. Alors qu'il y a certains gens disent que non, on va nous tuer, il y a la sorcellerie. Mais nous, on disait, allez là-bas, c'est là votre ressource, c'est là votre source. Et c'est ce qui a créé en nous cet esprit-là, d'aimer aussi. Comme tu as dit tantôt, il était naturel, il aimait beaucoup les valeurs ancestrales, tout ça. Ça, il a fait grandir en nous ça. Et l'amour qui nous a appris à aimer notre territoire fait que nous essayons toujours de vivre avec tout le monde. Chez nous, ici, comme on m'a dit, tout le monde vient chez nous à la maison, même chez moi, tout le monde vient chez moi, chez nos soeurs. Donc nous avons appris cela de lui et nous pensons que c'est vraiment tellement important. Et des fois, on faisait quoi? On avait chaque fois visiteurs à la maison, mais pourquoi je disais de visiter à la maison? Pourquoi? Des fois, on disait dormir au salon pour laisser la place aux visiteurs parce que lui, il aimait ça. Ça, c'est que lui aimait. Il dit, ce sont mes frères, ils doivent rester avec moi. Alors, il dit chaque fois, merci beaucoup. C'est-à-dire, tu es quelqu'un quand tu as d'autres gens à côté de toi, derrière toi. Je pense qu'il serait très heureux s'il était vivant actuellement de voir tous ses petits-enfants entourés comme ça, comme dans toute sa femme ici. Ah, il serait très content de ça aussi. Les qualités de papa sont nombreuses. Mmh. Mais c'était un père responsable, modèle. Et... je sais comment dire. Émotion, hein? Il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Mais il n'était pas sévère en tant qu'ancien militaire? Il était très sévère. Il était très sévère, mais nous avons apprécié ça parce que avec cette sévérité, ça nous a permis
d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Il nous a bien éduqués alors. Mais il n'était pas méchant. Il n'était pas méchant. Il était seulement sévère, pas méchant. Sévère et rigoureux dans son éducation, à inculquer à ses enfants. Très rigoureux, très rigoureux. Il avait ses principes-là que tout le monde devait respecter. Bon, maman Bahati, Virginie, Jeannette, hein? Élisée Jeannette. Élisée Jeannette, Lotonde. Nyonta, pour ne pas traduire. Parlez-nous un peu de le plus grand héritage que le vieux vous laisse. Finalement, ce n'est pas cette belle maison, ce n'est pas ce qu'il y a industriel, ce sont bien, ces six têtes bien faites, j'imagine. Comme il y a ce comme héritage, des biens, oui, et puis des enfants, et que j'implore souvent vraiment, je leur dis souvent que. Portez-moi à cœur, hein? Vraiment, puisque c'est à vous que maintenant que je compte, que vous puissiez me rassurer quand même ma vie. Comme je suis devenue seule, je suis veuve, hein? J'ai vieilli aussi. Alors vous venez, s'il vous plaît, vous devenez maintenant mes pieds, hein? Mes yeux, mes mains pour faire ce que quelqu'un peut faire pour avoir à manger ou bien à faire autre chose. Et je leur avais dit que vraiment veillez pour moi. Jusqu'à ce que aussi moi, mon dernier jour arrive et que moi aussi je puisse retrouver mon mari. Vous allez me citer un nombre, un chiffre. Vos petits-enfants, ils sont au nombre de combien présentement là? Je vois s'il est attentif, si elle suit vraiment le tour des prêts. Ils sont au nombre de combien? De 21. Ah, est-ce qu'on peut applaudir pour maman? Ah, docteur, est-ce que maman dit vrai? Ah, je ne sais même pas, moi j'ai commencé à réfléchir d'abord pour répondre. Ils sont 21. Et j'entends des petits m'essouffler derrière moi, ils sont 23. Mais maman précise que c'est 21. Parce qu'il y a l'autre qui vient de venir pour le moment, il n'est pas dans le Donc ici, c'est peut-être le tiers, hein, ou peut-être la moitié. Non, c'est peut-être le tiers. Et un très bon héritage. Le vieux était également attaché à ses origines. Je rappelle que la maison, autant elle a été ouverte à des tierces, à de la famille, aux frères. Il y a même le grand chef de la chefferie de Basile qui a vécu ici, chez Papa Mazambi. Oui, oui, il y a le feu Mouami Kalenga, Riziki qui était ici. Luango, pardon. Luango, oui. Riziki, c'est l'actuel. C'est l'actuel, oui. Bon, c'est mon ami, ça le problème. Donc son grand-père, donc Luango Kalenga, a logé ici pendant plus de 3 ans ici, et c'était donc sur demande de notre papa. Il était venu à Bukavu, il n'avait pas où rester, et le papa a pris une décision. C'était une maison que nous, on occupait, nous, en tant que jeunes, c'était notre maison. Il a dit, ok, vous dégagez, on va laisser la place à notre Mouami, parce que lui qui incarne les valeurs de notre culture, il ne peut pas manquer ou dormir, et moi je suis ici en tant que notable de Mwenga. Il faut qu'il loge chez moi. Et c'est comme ça qu'il a passé 3 ans ici chez nous, sans problème. On était bien, on a bien gardé le Mouami ici. Durant ces 3 ans, on les venait à l'aide quand on était dans les besoins, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés encore chez nous, à Mwenga. Voilà, je rappelle que Papa Mazambi est né le 30 décembre 1948. Si ma mémoire est bonne, le 30 décembre 2021, il devrait réaliser quelque chose comme 71 ans. Donc, au finish, avec le poids de l'âge, maman, papa va tomber sous le coup de la maladie, il a commencé à souffrir. On vous a vu, hein, traverser des frontières, aller au Burundi, vous débriller de gauche à droite. Pour lui administrer la plus grande attention possible, les meilleurs soins possibles. Mais au finish, Dieu en a décidé autrement. Relatez-nous un peu, hein, ces derniers moments qui n'ont pas été, hein, qui ont quand même été assez pénibles. Ça a commencé à l'âge de 68 ans. Hein. Il commençait à se sentir mal à l'aise. Alors on a cherché à savoir si c'est quoi. Bon, on a essayé de faire soigner à partir d'ici, mais on voyait que ça ne tenait pas. Alors les enfants ont décidé qu'on aille à Bujumbura.
Mais quand on était parti à Bujumbura, là, ça va. Et c'est de là qu'on va aller découvrir que papa, il était malade depuis longtemps, mais on ne le savait pas. C'était depuis qu'il a été condamné à mort. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment perdu un peu de ses connaissances. Hein. Ça a un peu perturbé. Il a été un peu perturbé, alors il commençait à faire des choses comme un enfant. Et alors à ce moment-là, on a essayé de le faire soigner, mais ça allait bien. Mais pour la cas, le confinement est venu à cause de corona. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'on a manqué les médicaments ou même les possibilités pour aller à Bujumbura. Et à ce moment-là, la situation s'est aggravée. Alors, il est mort. Et là, docteur, on a vu des gens défiler, hein, défiler à l'hôpital général pour aller puiser une fois de plus cette chaleur fraternelle, témoigner cette affection au papa. Et au finish, il est décédé. Ça a été un coup dur, mais on a senti la famille tout de même à vos côtés pendant et l'enterrement. Et pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, la commémoration du premier anniversaire du décès de papa. Oui, effectivement, je pense qu'on a passé des moments très, très, très difficiles à partir du 1er mai. C'est quand papa, moi, j'étais localement ici. Il a été hospitalisé à partir du 1er mai. Et on a passé au moins 2 mois avec lui à l'hôpital. Il est sorti, il est encore reparti, encore admis. Et ce n'était pas facile. Surtout pour moi en tant que médecin. Bah, j'ai assisté comment est-ce que mon père il mourait à petit feu. Et je devais donc garder l'espoir à toute la famille. Ce n'était pas facile pour moi. Donc j'ai dû... Donc vous aviez une petite longueur d'avance hein, par rapport exactement, aux autres. Mais vous avez pour mission de rassurer. Exactement, hein. exactement. C'est-à-dire même à la dernière seconde, je lui disais qu'il va toujours récupérer. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais il fallait faire ça, sinon il ne fallait pas que tout le monde panique. D'ailleurs, là, je pense que je dois sincèrement dire félicitations à maman parce qu'elle a pu supporter le coup. C'était le premier jour difficile de ma vie. Lui annoncer la mort de son mari, ce n'était pas facile. Mais j'ai trouvé vraiment l'été en train de prier. Et que je lui ai annoncé comment la nouvelle. Mais quand j'ai annoncé la nouvelle, elle était vraiment. Apparemment, elle était déjà préparée. Parce qu'elle priait quand je suis arrivé dans sa chambre, elle priait. Oui. Et ça qui m'a un peu soulagé, mais ce n'était pas facile, mon frère. D'ordance, des moments pénibles, hein, le dernier moment de papa. Et vous, vos larmes ne se sont jamais séchées. Même la dernière fois à la cathédrale, vous aviez toujours des gouttes de larmes qui coulaient de vos yeux. Mais maintenant, il y a des larmes qui coulent encore. C'était vraiment le moment le plus difficile. Bon, c'était un dernier dimanche que j'ai vu papa. Il n'avait plus envie de me regarder dans les yeux. Et quand les derniers mots que j'ai entendus de sa bouche, c'était le nom de sa femme. Il a dit Virginie. Puis il a parlé, mais on n'a rien entendu. Je me suis approchée de lui. Je lui ai posé, papa, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez dire quoi? Il a dit, pepepepepepe. On n'a rien entendu. Et c'est encore alors que j'ai compris que papa n'était plus là. Et c'est quand j'ai demandé à l'aumônier de l'hôpital général de voir mon papa et de lui administrer ses dernières grâces et l'onction des malades. Ah, merci. Et Dieu merci, papa a réussi ça. Vraiment ça, sur le plan spirituel, ça me réjouit. Merci. On a eu à commémorer comme ça le premier anniversaire de la mort de papa à travers un culte à la cathédrale. Il y a également une descente au niveau de la Ruzizi. Et de ce côté-là, la famille a érigé hein, un sanctuaire, une tombe digne de son rang. Pour le bien de l'information, il y a quelqu'un qui peut passer par là 10 années après, qui n'a pas été en live par rapport aux cérémonies qui se sont déroulées ici. La dernière parole profonde qu'il a eu à vous dire, hein, quand il avait encore le contrôle de l'essentiel de ses aptitudes, vous en souvenez? Lui, il m'a encouragé toujours, comme il était malade. Et les derniers jours, on n'a pas causé longuement comme tel. Mais je lui ai demandé seulement, vous savez que vous me laissez avec les enfants, j'ai 2 garçons et 4 filles. Il faudra songer comment, même si vous partez, il faudra intercéder à nous pour que nous puissions bien aussi évoluer jusqu'à ce qu'on puisse se voir un jour là au ciel. Je vais piquer
compliqué, hein, auprès de vous, un petit conseil. Quand on a passé plus de 45 ans avec un époux, quels sont ces genres de valeurs qui peuvent inspirer les autres, des jeunes gens qui sont juste au début, s'inspirant de votre parcours à vous? Alors, j'encourage vraiment les couples qui viennent après nous. Que aussi, c'est que je vais donner le secret que j'ai pu surmonter toutes les difficultés que je pouvais avoir dans la vie. C'était que moi, j'étais très patiente et j'étais très soumise. Tout ce que disait mon mari, j'acceptais. Et si au cas au contraire où je trouvais que ce n'est pas bien de ce qu'il était en train de faire, je lui conseillais aussi et puis il acceptait tout ce que je lui donnais aussi comme conseil. Alors on s'entraidait comme ça et c'était notre secret de vivre ensemble jusqu'à le moment comme ça. Et des hommages, docteur, qui ont été formalisés, immortalisés une fois de plus par l'une des icônes de la musique traditionnelle, les gars, Kazembe Vianney. L'idée d'approcher Kazembe Vianney pour cette chanson-là, elle vient de qui? L'idée vient de la famille elle-même, mais aussi de Kazembe lui-même aussi. Parce que Kazembe, il était non seulement il est beau-frère à papa, mais il était aussi son ami. Parce que je me rappelle qu'il avait composé pour lui aussi une chanson qu'elle a fait 50 ans et 70 ans aussi. Donc lorsqu'il a appris que papa était décédé, il était aussi choqué. Et il a voulu aussi l'honorer de sa manière aussi, sa façon de l'honorer aussi. Voilà, merci. On est très ravis, on a passé de très bons moments en votre compagnie. Je suis Justin Kianga, je rappelle que, qu'est-ce qu'il faut? Parmi les dizaines de personnes, hein, les dizaines de bénéficiaires de cette chaleur fraternelle que l'on obtient en venant vivre chez les Mazambi, votre modeste invité que je suis, fait donc partie. Donc, je peux rappeler maman? Je peux, hein? Bon, je quitte la Somenki ou l'EPEC Kalima, dans le Maniema, année scolaire 88-89. Généralement, on était orienté. Si on était fille, on allait à l'internat du lycée Ouima. Si on était garçon, on allait du côté de l'internat du collège Alphagiri. Mais le collège Alphagiri était tel qu'il fallait avoir un tuteur parce que tous les samedis, après les cours de 12 heures, il fallait être libéré pour et aller en famille et rentrer seulement le samedi ou le dimanche en début de soirée. Et mon tuteur, ça aura donc été feu papa Mazambi, ma tutrice, ma maman, ça aura été maman Virginie, Nyota, Lutonde, Élisée, Bahati, Jeannette. Et pour joindre l'utile à l'agréable, papa feu Mazambi a également été mon parrain du côté de la, du baptême, hein, au collège Alphagiri, paroisse catholique Saint-Pierre Claver d'Engouba. Il y a même des photos, hein, qui vont devoir passer pour témoigner tout ce que je suis en train de dire. Maman, merci pour ces bons moments passés ensemble. Merci, je vous remercie aussi. Docteur Issou, merci. Merci beaucoup Justin, et vraiment c'est un plaisir de pouvoir faire cette émission avec nous. Merci beaucoup. Ah voilà. Maman Hortense, merci. Nous vous remercions, nous en sommes très reconnaissants. Voilà, est-ce que les anges peuvent pousser encore des cris de joie en mémoire des papas en applaudissant très fortement? Merci, 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 merci. Tukuza Mungu Baba kwa ulinzi wake mwema aliyokulinda mke wako Mazambi alitegemea kwako watoto wako engineer walitegemea kwako.